Di wax nag ci turu 14 comité de gestion de lutte contre les inondations yi commune de Sankalkamam, yi nga xam ne monsieur le maire moo ko installé woon fii daaw. Ku nekk ci commune bi wax dëgg yàlla gis nga liggéeyu maire bi, surtout lu jëm ci inondation yi. Biñ ci jógee ci 2022 bi ci lañ créé 14 comité de gestion yi. Ñu def ci nag wax dëgg yàlla liggéey boo xam ne ànd koog nag ak waa mairie yi yëpp lay wax, parce que du ma ci bàyyi kenn, parce que ñoom ñëpp doon nañ leen gis ci terrain bi nga xam ne amul guddi amul bëccëg. Loolu moom lu ci bëri def naa mën naa ko témoigner, ndax madame le maire mu ngi nii guddi dama ko daan gis ci terrain bi, ñoom monsieur Djibi Ndiaye ak ñoom Ibrahima Thiam ñoom ñëpp ku ci ne daan nañ la gis ci terrain bi bu dee bëccëg. Vraiment taxaw fépp fu maire waroon taxaw daaw ñu taxaw fa def fa liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla ragal naa ne moom bu fi nekkoon sax ku ko neexoon mu toog. Kon nag ñu leen ci gërëm bu baax a baax a baax. Tey kuréel yu bëri ci état bi dañuy jëfandikoo document boobu sur Sangalkam ba ci ADM bi ma tudd sànq. Yemuñu si foofu bi ñu defee document ba pare dañu organiser population yi, parce que mënuñu woon nekk fépp. Ñu defar 14 comité yi ma tudd sànq. Population yi daje seen biir fal ay jàmbaar jiital leen ne ñii sunuy gox ñoom ñoo yore inondation yi. Loolu may nañu bii projet 2 bi ñëwee waroon a def loolu, parce que projet 2 bi dañu waroon a fal ay comité. Ñoo leen ñun jiitu nañ leen ci loolu, am nañ suñuy comité ba pare. Moo tax loolu daf leen yombalal liggéey bi doyen Sène. Ñoom biñ ñëwee dañ ne li ñu waroon a liggéey lu ci bëri Sangalkam liggéey na ko pare. Sangalkam def na étude, Sangalkam def na dispositif d' appropriation pour que nit ñi mën a jëlal seen bopp mbir yi. Mais yemuñu ci foofu chaque année, peut être maire dina ci ñëw ak coût yi, mais chaque année ñu dugal ci budget municipal bi alal ju takku ne lii ci inondation la ñuy jëm. Moo xam ay machines dañ koy jënd pour jox ko équipe yi, moo xam dañ koy def ay moyens jox ay camions ñuy rambalee, wala ñuy en tout cas di creuser di ubbi ay yoon yoo xamante ne si fa la ndox mi di jaar. Mais loolu lépp biñ koy defee xam ne nit ñi tamit ba léegi ñu ngi souffrir, dafa am benn plaidoyer te loolu lu am solo la. Mooy say kilifa mën a taxaw fa ñuy waxee di fa wax say soxla, parce que falu ñu rek dañu fal également pour loolu dañu yónni. Donc plaidoyer boobu ba moo ñu mayoon ba fu ñu taxaw wax kaawu Sangalkam autorité yi dégluñu. Te bu ñu waxee ne plaidoyer yooyu nit ñi dégg autorité yi dégg nañu, war nañ ko gëm. Ce n' est pas pour rien que le premier ministre Ousmane Sonko sa première sortie mu ñëw Sangalkam. Nit ñi waroon nañ laaj mais lu tax demul feneen, lu tax mu ñëw Sangalkam, mais parce que dañu def plaidoyer bu mu dégg. Beneen bi moom mooy pourquoi projet 2 ñëw Sangalkam, parce que dañ def plaidoyer ba autorité xam ne bu ñu jógee Kër Massar dañu war a dugg Sangalkam. Yemuñu foofu plaidoyer boobu may na ba tey ci ADM, même su fekkee ni ouvrage dafa war a ñëw en 2025, ren dans le dispositif de pompage ADM dañ si boole Sangalkam. Ñoom jël nañ ay matuwaay yoo xam dinañu gunge ci gestion yoon inondation yi. Donc loolu lépp tey boo demee ci projet 2, peut être doyen sànq mu ngi naan ouvrage du si tudd, mais bokk na ci ouvrage principal bi ñuy def mooy le canal versant Kounoun Lac Rose. Te loolu étude yi commencé na, ñuy tàmbali di xool yan kër la yi impacté, parce que effectivement dina am ni mu impacté, ak ñooñu buñ leen di compenser luñ leen di jox. Actuellement nii foofu la mbir mi toll, mais yaa ngi canal versant qui est prévu de Kounoun au Lac Rose. Loolu bokk na ci ouvrage yi nga xamante ne si bu ñu yàlla dimbale bañ fekk loolu dinañu dimbali ci inondation yi. Loolu pour tënk mooy wax ne wan ne taxawaay bi nga xamante ne si monsieur le maire et son équipe municipale et le bureau municipal en premier am nañ ko pour taxaw ci soxlay askan bi. Loolu tënk la woon rek pour introduire monsieur le maire ni koy jox kàddu gi au nom de l' équipe municipale. Asalaamaaleykum mbokki jullit yi, ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp, kenn ku ci nekk ci turam ak santam. Di jiital suñu nuyu di nuyu le chef de village de Kandiaylo El Hadj Youssou Samb, suñu El Hadj
Notre président de la commission suivi évaluation, de coordonner vraiment toutes les activités. Nous avons un comité de fête. 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 Ñom ñoo taxawoon lu melni daw vraiment merci kon tay buñu yalla defé ñu nek fi tay kon dañuy sant yalla bu baaxa baaxa baax dañu nak moy mu répond ba yeen gis ni bu mobiliser ko defo nañ ko 2022 def ko 2023 ya def 2024 ñew fi pour lan soulager population yi mo ñu jël nak mu répond yi tok suñu kër wala ñu waxtaan xol ñu ñu neex jox leen ko et dama ne man dama japp na bo jëfël nit da ngay fexé lang koy defal mbañ am xajj ak sen lang koy defal ngay ko taxawal mu taxawal ndax kureel yeen gis fi nek ci kom bi yeb muy comité yeb man ma dem en 2022 bo ñëwé andak le bureau municipal dem installer comité yeb muy keur ndjaylo muy ndjaxarat muy kurul muy kadaru sa may len dajol le ma ñëw ñu tok jël fal comité bo xamanteni lepp lu may jox ci ondation comité bo la kay jox kon tay ñi fi tok ñepp ci tour comité lu ñëw mo xam keur ndjaylo mo xam kurul la da kenn ku ne am nga representant bo la fi téwal donc tay man ñoo la convoquer tay pour ñu ñew ma jël li nga xamantene tay askaru ñoko mom li nga xamantene du xaalisu état seen xaaliss la yeen ndax pour pompe yi du xaalisu état ñi ngeen ci gis lepp xaalisu commune sangal comme c'est sur fond propre rien ko jël jënd ko délé ko population yi may na ko jël tek ci loxo comité yoy donc tay li ñu def moy remise symbolique qu'est-ce que lañu def jox leen ko bu ñu paré nak mu am suivi xëjë nak suñu gisé dañu am moy amna ay cadre yo xamanteni aussi mënu ñak ñu wax ko ci am lu ci melni tay mu do pompe mënu ñu at mu jot jënd ay mu do pompe lool da fay xawa metti parce que tay mu do pompe yeen gisi bu su nek mu ngi jar 90000 mu do pompe rek rakol bokku ci carabine bokku ci carbina ñewugul donc bëru pompe bu nek dañu coûté 250000 environ ben bu ne chaque année nga bu yéxe jënd 50 dana met yi ngeen gis ni bu nek mu ngi jar 2 millions 3 et 6 millions la nit mu pompe bu ne bu ne 2 millions la ko jënd 2 millions rakol bokku ci dara bokku ci ben bu ne mu ngi jar 2 millions sorti 150 la yi moy sorti 80 donc yele bu ngi gisé c'est pour à ce que zone yi nga xamantene dafa am ndox zone yi nga xamantene mu pompe mu leen tirer ñu déplacer ko parce que moto auto mo koy déplacer donc yoyu dañ koy garder fi zone muy daal ciub mo xam keur ndjay la fuñu gis ne amna bassin bu fa ndox bu bari na fa ñu déplacer jël équipe technique ñu dem fa monté ko liguey parce que li mënoko jox kenn dafa ak ay moyens motax bokul ci ñi joxe donc ñu joxe moy sorti 80 moy ndaw yi pour keur yi la keur yi nga xamantene ndox mi da fay fess ci keur yi ak mbedd yi ak yena zone ndox mi wacce mënoko pompé mu génné lool moko yëkëti lool nak comité yi ñu installé yoy dañ koy jox dëkk bu ne amna ci quota ñi 3 ñi 4 ñi 5 ñi 2 man gën gis dëkk bo xamantene tay wala ben ci lañ jox ko 3 mu pompé nekul problème ci mais problème le besoin bi fa am man kay wax legui daba amna ci yo xamantene dañu am problème bu leen jox ben wala ñaar do pompe fo jox leen 3 wala 4 do en terme de village wala en terme de cité dañu xol fan la urgence ci nek fekkontene sax dañu jël fay yeug bu ko ci ben place sax yu ko ben place pour le problème bi donc lool moñu dañu won fi may rafetlu teway bi di gis na ñep ñi ñew ak ñi ñewul en tout cas kep ko fi tew da la jox mais ku ñewul nak du la jox daba comité yi c'est combien 14 comité yépp yi fi nek dañ leen jox seen pompe ak gasoil ak rakol ñu yobbu ko mais ñi xamantene ñewul mom ñooñu mom nañ ko jël ci mais képp ko xamantene ñewul daba bu ko jox effectivement may wax aussi bu ñoko joxe aussi mu baña am li day ma gëna jigen mère wala man ni conseil la wala man ma non non nañ ko jël def ko fi mu wara dem bu ñu lol kessé man ma koy jël xol fu ma koy duggal ak lu duggal mais man dama jël jox len kon comité yi
mo xam kan jaylo mo xam kunun mo xam kernal mo xam ci des enseignants buñ ko yobbo dañu len wa dekk mi ngeen tok na ah mer kat moy jox li ngeen waxtane ko ndax sa solo so ci dalé dara da ngay tok après sa xol di metti parce que da ngay jox pour défar nga dëgg ci lo xamantene du la neex kon do bëgg bu ngeen ko jël yobbu ko bu len sé def dara parce que fi nit ñi liñ bëgg ma ku len jël ku len sentir yow ya ñew bo aggé ci des enseignants wala ci des enseignants responsable ngeen ah li mo fi tew bu ngeen ko gissé c'est parce que lolu un problème du am mais bu fekké dafa dem ñaar ñett jël yobbu kër bu len neex lolu da fay andi problème kon lolu ay cadre lo xamantene lumay doli la parce que and bo gis rek jappal ma jappal te nit ñi kenn du ñëw kenn dara man xamna lolu c'est pas facile man des fois damay bu bëgg joxe parce que sa bo joxe rek am problème sa bo joxe rek am problème te nak fekké da nga yilif ñëpp and ak ñëpp te bëggu andi xaj ak sen yu mel non da fay déranger kon limay ñaan moy buñ fi jël buñ ko yobbo kunun dañu o wa kunun neul mer li la joxe wa kunun décider dañ cey def su demé njaxarat ñu wa njaxarat ñetti pompa fi né mu ngi ni lañu mer jox gasol ba ngi ni den waxtane ko je pense que lolu su amé problème du am difficulté du am lolu motax mëna nan o fi lay tok waxtan ñu échanger ci ma jël ko mettre à votre disposition su ñu nak ëppuna li mais dal motul souf xëjë nak dina ñëw ci inondation de manière générale ko xol 2022 metti won na 2023 xawna metti 2024 bi mu ngi tané donc le bëgg na ndox mi ñëw pour xaar ji mëna ñor mbokk dama am tolu mbokk fele dama bay mbokk sama mbokk mi ni la tol fu tol ni dama bëgg mu ki sama 30 hectares ne fele kon na taw ñan ya taw bi amna lo mënu ñak mais na gis nañu vraiment taw bi parce que problème bi moy fi fekk fa tek lay 5 jours taw wala 4 jours taw rek problème day am mais su tawé 2 jours tok 3 jours problème dina xawa wañé ko param jall ma lay nuyu xama yaangi doga wacce donc di wax rek ne xëñu ren mettégul mais semaine yiñ jëm ni 2 semaines dara metti ah parce que mois du lañ nak donc fekk septembre le 10 septembre fekk le 15 tolu jeex mais fiñ jëm ni dana metti motax vraiment tay dembala o daabu nek daabu il faut ma jox ma pompe comme ñewna jarul xaar wo de motax information sa jallul mais ma ngi tam def lu tout suba joxe ma pompe sala o djibi je ko expliquer ndax commencé na am ay retourné amna ay zone yo xamantene actuellement ils sont dans des difficultés mané kon jarul ñuy xaar jarul ñuy oté mairie bo oté ku né nañ ko nañ ni fi siège bi comme li dafa xawa 10 ñu au conseil informer len informer bureau municipal bi informer ñu wara ñew ñu ñew jox len ko kon li am solo moy tay ñul les pompe mais à disposition des populations li dess nak moy walu état ndax inondation da wax nako sank du suñu compétence compétence état la effectivement il a raison mais ñun lepp lo xamanteni da fay améliorer cadre de vie population de l'unité compétence kon tay man dama nan inondation tay suñu compétence lolu la gëm lolu la gëm quel que soit fa nak su baxé ñun lañu wax su baxu ñu ñul la dañ koy assumer nak xam ngeen ndox mom ndoxu yalla suñu borom la li nga man moy rek prévenir na gouverner c'est prévoir mais inondation dama koy wax tout le temps dans mes réunions dama len ne dafa am ñetti acteurs yo xamantene mënu ñak muy les populations d'abord la commune les collectivités territoriales et l'état aussi ñetta ñooñu té mu len dissocier ñoy les vrais acteurs population yi état ak les collectivités territoriales ndax ñun dama may état lañu kon ñetta ñu gëna suñu doolé yalla mënu ñu sutural état bi nak dëgg la effectivement bi ñu ñëw ñom administration continuité la dossier yi nga xamantene tay muy les études yi ñu defoon ñun jël nañ ko mettre à la disposition du nouveau régime xamnañu les gens d'abord nako sank le premier ministre est venu ici def na fi ben visite parce que remercier ñu ko téré ñu lepp mom xamna les gens parce que tay dama koy faral di wax may dem bu ñëkkon ñu wax ay gaday ay dakar ay geji way mais bo né ñu daay so tay bu dé gaday geji way brt bi rek la problème bi su dé dakar amna assainissement bu dé pikine le marigot de mbaw ay rek la problème bu dé refuse nak mais sangal kam lañuy wax kon tay ouvrage wa dakar am wa geji way am ko pikine am ko dafa jott te ngeej rotina arrondissement sangal kam am ko kon buñu wax ouvrage tay arrondissement sangal kam la et que ça quand je parle de arrondissement sangal kam c'est la commune de bambilor la commune de kon palignac la commune de sangal kam parce que tay so jilé région dakar en termes de superficie les 1 tiers de la région dakar représente l'arrondissement de sangal kam surface tay bo xol dakar 1 tiers moy commune est communautaire sangal kam tay tepp kuy dëkk fi ngay ñëw yeen ngi ci ñang ñëw chaque dimanche ñeen gis ñu jëru bagage ñu tok ci fi mais buñu amul école yu bax amul ñu lycée yu bax amul ñoon yu bax mais day metti war on souffre tout temps ñu ngi ñëw te ngeej geej ji tej nako terre bi tej nako dakar fess na parcelle fess na donc mu dox lepp fi la kon tay dafa jot état souraali xamna tay vraiment sangal kam dafa nek tay docteur duma docteur sax dafa nek lo xamne tout monde converger vers sangal kam tepp ko habitat social qui pense à sangal kam kon tay dafa jot
en termes d'infrastructure, l'État a accompagné tout aussi nous. Nous avons dit qu'il y a des gens qui ont venu. L'espoir est épiné parce que nous sommes, c'est la première fois avec ce nouveau régime. Le Premier ministre a conseil interministériel invité les maires. C'est la première fois. Maintenant, ça fait 2 ans, mais c'est la première fois. Le conseil interministériel, nous convoquons les maires. Maire, il nous donne une parole. Directeur, il y Géro, il ADM, Onans, les ministres, l'eau et l'urbanisme, Le premier président de la République, Bassir Diomaye Diakhaté Faye, le premier ministre Ousmane Sonko, moi, je sais que c'est un homme qui a été une population qui a été fait. Aujourd'hui, il y a un bassin installé dans la commune. Mais le bassin de Daritchoub, il y a 2 bassins. Actuellement, les jeunes militaires installent 2 électropompes. Si on a eu aujourd'hui, il n'y a pas de le bassin de Kounoun, les jeunes militaires ont installé 2 électropompes. Donc, on va saluer. Ak ni nak wax nañu leer nañu mënu ñu def ben ouvrage am wax day leer liñ man moy japp leen ci accompagner ci pompage parce que ñu ngi phase étude wax na da wax na ko sank ak sen mo war ñu taxawal collège bi c'est pour vraiment cadre la bo xamantene tay ñom dañuy liggéey ak ñom ci wal inondation def sensibilisation alerte population yi préparer leen avant ouvrage di ñew donc phase étude bu jéxé ñu commencer tambal liggéey bi parce que tay banque mondiale bu la joxé ay milliards balang kay duggal fen ding ko fin ko wara duggal def ay étude appropriée ko lolou defena ni ñu xamé lool mo wara étude da fay jël temps donc année prochaine inshallah le seigne fasské né tambali ouvrage moy li bab da wax sank moy kala li nga xamanteni ko wara def mu départé Kounoun le bassin versant de Kounoun bi wara duggal Kounoun dem Lac Rose dem aussi Lac Rose ak la mer de comment dire ici la mer de Guédju Lac Rose parce que yalla entre la mer ak comment dire le lac dafa am ben bras de mer donc ndox suñu popé ci lac bi une autre part da fay dem ci geej gi motax actuellement ni ben histoire mo am muy le lac rose ak la mer de ñag comment dire ça lac rose donc fo may histoire parce que ben histoire moy autour à péage bi mais autour à péage bi y a un problème parce que ñom efface d'accord ñu pour ñu pomper fa ndox mi d'accord ñu pour ñu ubbi ko mais cette année ci ma ngi saluer vraiment grandeur le préfet du département Abdou Khadi Diop mo mo ñeu taxaw xamal wa efage carrément ni len population ñek fi di souffrir ngeen ni tabax fi mo tok mur bi pour ndox mi man fa jaar mo ndox mi ñewatu lu ci bari dañ koy verser fele mo ramu xaw am tout du soulagement donc actuel dañ koy saluer parce que amuñ ko won 2022 amuñ ko won 2023 kon limay wax rek moy nañu en la main dans la main xamne yalla jeexul di wax ne inondation peut-être nit ñi dañuy stressé wu donc actuellement il y a plus de peur que de mal nit ñi ni nga japp won sax xamane amugo leen dégaay mais nek ken xamul li xew suba nak bu xewon 3 jours taw 3 fois 4 fois rek fonu jeex kon limay wax rek moy nañu mobiliser wu vraiment boko nday boko baye limay wax chaque jour ken ku ne xamne fa nga ne yow mer nga fa responsable nga fa ken ku ne xamne tay bu ñu waxe inondation dafa am acte yo xamantene moy solidarité surtout la jeunesse les AIC ñu gëna jigé vraiment comité yi accompagner japp leen parce que am lo xamantene ndaw moko man mais alhamdullah vraiment ci te bo dem man gis na ne jeune ñu ngi approché wu di len jappalé man damaay dem sur le terrain mais bo démé ay gis ben ñaar ci ni commencé génné ñew vraiment di jappalé nit ñi ndax loolu dafa nek lu am solo kon loolu lay o ñepp di sante ñepp di gëreem ñepp di wax né suñu yéne ëppna li mais li nek lo xamantene gestion bo xamantene tay ñun dañ ko def en tant que élu parce que ñun ci lañuy xaar kon nak inondation tay limay wax rek moy ñu dalal xel yi xamné comité ñun fi bëpp jafé jafé bu am mo xam cité la wala village ak fu mëna doon bu gën ñu avertir ñun dañ ñoo am ci taxaway ndax doon jox pompe rek tok den setan de len deglu sa bu urgence amé bu ñu oy ñew ndox pompe yi mag nak yi après ñu den xol ci dekk yi sangal kam bo démé tay téré ñay dafa fess del ak ndox tay fofu dafa jël fa duggal bu re pompe bi so démé ku ñun di déma jaay dekk non souf ko ñu papa li dafa fess del parce que yoonu ndox la donc fofu mu tuy ñofu mëna dem donc zone yo suñu paré dina créer ben équipe technique manam commune bi amna direction des services techniques ñom dina wax ak ñom doxal auto parce que li kéro biñ ci andi fi 20 personnes ñoko ñapp 20 ñoko ñëkëti difficilement ñu ko andé fi ma xamné suma ko bëggé yobbu ko mairie da fay metti mo tax baay ko fi nañ ñëw fi joxé ko fi donc loolu dafa laaj mobilisation logistique bo xamantene mo koy accompagner loolu nak ñun
dañ créer comité bo xamantene tay ñom ñoy liguey en connivence nek en phase avec les comités yi nga xamantene ñu nek au niveau des localités donc mbir mi coordination lo ak solidarité ak jappalante ma ngi nuyu ñep di gëreem ñep sant ñep di nuyu imam serigne mbay sam mu ngi dogo tew ak ñi ñew ñi fi tew ñep donc mbir mi remi sembri lo won rek.